le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. C'est propre chez toi, mon fils. Merci, Maloris. Mutunde a toujours été un garçon qui a aimé la propreté depuis son bas âge. Même dans son cahier, il n'y avait pas de traits ni de ratures. Et l'écriture était toujours parfaite. Et les devoirs soigneusement trouvés. Ah, papa. Waouh. De quoi être un cadre au père aujourd'hui. Tu vois, mon fils, avec tout ce potentiel que tu regorges, il serait stupide de la part de ton père et moi de te laisser traîner longtemps dans une aventure comme celle que nous venons de subir là. Tu sais, c'est le Seigneur qui nous a accordé la grâce de détecter à temps le mal dans la cité. Mmh. À santé. Je me réjouis de la présence de Loris auprès de moi. Elle est toujours prête à m'apporter tout son soutien dans tous mes projets. Waouh! Il est certes vrai que Rose a toujours été au-delà de 75% d'initiatives des projets entrepris. Loris me réconforte aujourd'hui depuis la disparition de Rose. Calme-toi, papa. Moi-même, j'ai été témoin des œuvres de maman de son vivant. Par exemple, l'implantation de la société des bois à Hawaï. Je suis sûr que si elle avait été là, tu n'aurais pas subi ce coup. C'est ça aussi l'impact de la disparition des parents lorsqu'on n'est pas encore un homme complètement accompli. Mutunde, laissons le passé derrière nous et envisageons le futur. Il est temps qu'on te trouve une femme soumise qui ne va pas te créer tous ces problèmes-là. Et moi, en tant que ta nouvelle mère, j'ai déjà porté mon choix sur une qui va vraiment te convenir. Non.
tout sauf ça. Je ne peux pas permettre, avec mon niveau de culture, que ce soit une autre personne qui se charge de trouver ma femme. Mutunde. Mutunde. Tu as déjà fait tout par toi-même. Et ça t'a mené où? Tout sauf ça. Permets donc à tes parents de prendre les choses en main. Et tu verras. Non, papa. Tout sauf ça. Dans ce cas, Loris et moi, nous allons devoir retourner chez nous. J'ai lu l'inquiétude dans ton regard. C'est exact, maman. J'essaye de joindre Mutunde depuis, mais son numéro ne passe pas. Apparemment, le téléphone est éteint. Il doit être occupé. Ou alors le téléphone n'est pas dans un bon état. Justement, maman. Ce qui est curieux, c'est que la première fois quand j'ai lancé l'appel, ça sonnait juste pour 2 secondes. Et ça s'est arrêté. Maman, il faut que j'aille à son lieu de service. Ma fille, je ne voudrais pas que tu te plonges dans le stress. Je voudrais partager ceci avec toi pour te fortifier. De quoi s'agit-il, maman? Un cauchemar. J'ai fait un cauchemar te concernant. J'ai rêvé que nous étions à l'église, le jour de ton mariage. À l'entrée de la mariée, j'ai plutôt vu ta cousine habillée en robe de mariée. Et toi, tu étais dans un coin couvert de noir et en train de pleurnicher. Qu'est-ce que c'est que ce rêve, maman? Maman, il faut que j'aille à son lieu de service. Ma fille, que de malheur. Vraiment, quand je suis stressée, tu arrives toujours à me faire rire. Bien sûr. Ne vois-tu pas que ce monsieur est très amusant? Ah oui. Un grand humoriste, monsieur Cancan. Ok. Et pourquoi tu dis un grand humoriste alors qu'il est déjà mort? Ma chérie, un artiste ne meurt jamais, tu ne le sais pas. Excuse-moi et merci pour la leçon, j'avais oublié. Bon.
trinquons pour l'acquisition de ta nouvelle voiture. Ah oui? Qu'elle t'apporte beaucoup de joie et beaucoup de succès. Et surtout que Mirabelle quitte la maison et me laisse savourer mon bonheur avec mon mari. Ah oui, Dieu t'a déjà entendu. Hein? Amen. Bonjour maître. Bonjour. Pourquoi tu es parti du temple et pourquoi tu es revenu? Maître, je suis parti parce que mon intérieur était troublé et que je n'arrivais pas à me débarrasser des mauvaises pensées. Alors j'ai compris qu'il fallait que je me retire et que j'apprenne à me décider. Je suis revenu maintenant parce que j'ai pu me libérer. Je n'ai plus peur du manque. Et je peux supporter la pénurie financière. Maître, je ne fume plus. Très bien. Mais l'unique remerciement que je te demande, c'est que tu transmettes tout ce que tu as appris ici aux autres. D'accord? Maître, c'est une mission que vous me confiez. Alors j'accepte, sans bouder, sans intérêt, sinon la transformation de la société. Tu es l'unique maître de ta destinée maintenant. Si tu désires que tes jours soient roses, ils le seront. Tes pensées et tes actes te le donneront. En passant, le monsieur le brun, le barbu, là. Enfin, c'est lui qui t'a conduit ici et anxieux de te voir. Hein? D'accord, maître. J'y vais tout de suite. Mais où étais-tu passé, bon Dieu? Ah, Saba. Nous en reparlerons. Je vais chez Monsieur Manga. C'est urgent. Bonjour, maître. Bonjour. Ça, comment tu vas bien? Ça va très bien, maître. Très bien? Oui, maître. Fais-tu avec cet appareil? Ça fait des heures que je le cherche. Je te l'apportais. Et tu peux me dire ce que mon appareil fait entre tes mains? Tu l'as laissé dans la salle des enfants et j'ai trouvé mieux de le garder dans ma chambre. Merci d'avance. Mais la prochaine fois, ne le touche plus. Quand je paye les vigies, c'est pour garder ma maison et tout ce qui est à l'intérieur. Quand Tatiku a vendu un ordinateur de cette maison, où étaient ses vigiles? Madame, je ne suis pas prêt pour une querelle. Moi aussi, je ne suis pas prête. Je suis juste venue te demander quand est-ce que Melia voyage pour les congés. Quel congé? Les mêmes congés que tu as accordés à Fosso Fils. Fosso s'en va en congé chez quelqu'un de nanti, où il aura les mêmes conditions de vie que dans cette maison. Tu veux que ma fille Melia aille dans ton village où les gens vivent encore dans les cases avec les toits en chaume? Non, 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 madame. Non, 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 non. En tout cas, elle a droit au congé ou pas? Elle a droit. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle ira n'importe où. Bon, de toutes les façons, je te conseille de changer de sujet. Chérie, tu ne trouves pas que Fosso Fils doit passer les congés chez mon frère? Ah, tu sais que je tiens à l'éducation de ses enfants. Et laisser partir Fosso quelque part serait un manque de pragmatisme pour moi.
Comme pour dire que chez mon grand frère, il serait en insécurité. Pourtant, il n'a qu'une seule femme et des enfants bien éduqués. Mais ses enfants ont chacun un portable avec Internet. Alors que les miens n'en rêvent même pas encore. Ce n'est pas bon pour l'éducation. T'inquiète, j'assume la responsabilité. Ok. Comme tu insistes, tu valides donc le voyage. Merci chérie. Dès demain, il faut se changer d'air pour éviter la monotonie visuelle. Mais j'insiste sur ce problème d'Internet. D'accord mon cœur. Je m'excuse pour mon attitude de tout à l'heure. Excuse-moi s'il te plaît. Oh, c'est déjà fait. Bien. Il faut que je dorme. J'ai un séminaire demain à Boulanger et parfois ça dure longtemps. Bonne nuit, mon chéri. Pourquoi quand je te parle, tu ne veux pas me répondre? Tu as les yeux pour constater que je suis très occupée par ce que je fais. Oui, j'ai les yeux pour remarquer que je suis très réjouissante à ton endroit. Yvonne, mais quelle surprise! Il n'y a pas de surprise, ma chérie. Je suis juste de passage. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Fosso. Bienvenue chez nous. Merci. Écoutez, je vais devoir m'excuser, hein. Je vais vous laisser discuter. Ah oui, dégage. Ah oui, c'est ça. Casse-toi, connard. Je me suis assise. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Ok. Alors, je ne venais pas ici. C'est que j'ai rencontré cette pétasse de Mirabelle en route. Elle m'a vraiment choquée, tu comprends. Si Fosso ne peut pas faire quelque chose, je dois voir mon état-major. Ça peut faire quelque chose. Même s'il ne le peut pas, tu iras voir ailleurs. Pourquoi pas? Tu as raison. Ne dit-on pas que tu dors ta vie dehors? Je pense que je vais le faire. Écoute, ma chérie, je ne veux pas te perdre à cet temps. Toi aussi, tu as tes problèmes. Laisse-moi m'en aller. Créer le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Est-ce que tu sais qu'il y a une nouvelle femme qui est arrivée chez moi le mois prochain? Encore une nouvelle femme? Mais ça veut dire que finalement tu auras 5 femmes, Sally. Non. Chez nous, avec le Coran, on ne peut pas aller à plus de 4 femmes. C'est parce que l'une d'elles est rentrée chez eux. Et immédiatement, tu la remplaces? Il n'y a pas de temps à perdre. C'est terrible, ça. À t'entendre parler, on dirait que c'est la course à vitesse. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, le monde évolue à la vitesse de la pensée. Regarde-toi. Voilà 50 ans, même si ça ne se voit pas sur ton visage. Si tu ne penses pas aujourd'hui à ta progéniture, on risque de t'enterrer avec le caillou dans la main. C'est une coutume de chez vous. Ce n'est pas quand même une raison de courir. Hein? Sally. Tu
Tu as dit que tu voulais me voir. Me voici. Henriette, ce n'est pas de façon impérative que j'ai dit cela. C'est avec un respect digne des humains. Vouloir te voir et désirer te voir ne se ramène pas à la même fonction. Alors, dire que je veux te voir, c'est dire que je te commande. Non, ma co-épouse, je ne te commande pas. Oui, professeur. Alexis n'a pas mal fait de te prendre pour femme. Tu t'exprimes bien et tu parles bien. Merci d'avance. Tu sais, la vie n'a pas été toujours ce que l'on a rêvé vivre. Mais un rêve sans action est un rêve passif. Moi qui suis devant toi, si on m'avait dit que je serais dans un foyer polygamique, je n'accepterais pas. Mais j'y suis, parce que j'ignore beaucoup de choses. Où veux-tu en venir? Henriette, je voudrais nous amener à une vie à l'unisson. Nous sommes noyés et rien à faire. Entendons-nous pour mieux encadrer notre mari et éduquer nos enfants. C'est ce que tu ressens? C'est ce que je crois, honnête et convenable. Pour ma part, nous ne pouvons pas nous entendre tel que tu penses. C'est moi qui produis plus. Si nous entendons, ça veut dire tout simplement que les biens nous reviennent ensemble. Simone, tu as ton amour avec Alexis et le mien avec lui. Ok. Comme tu te bases sur les biens pour mener le raisonnement, je n'ai plus rien à dire. Tant mieux. Pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo! Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent.